Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette de cigares garnis de vermicelle et de légumes, une recette vraiment un incontournable à avoir dans sa cuisine que l'on va venir réaliser aujourd'hui à l'aide de notre Monsieur Cuisine Smart et Monsieur Cuisine Connect également, vous pouvez faire sur les deux. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à passer tout de suite à la préparation. Alors, pour commencer, on va venir ouvrir notre bol. Dans notre bol, on va venir mettre la farine. Donc, on va la peser ensemble. Donc, on va venir mettre 450 g de farine. Je vais venir ensuite mettre la semoule extra fine. 200 g de semoule extra fine. Je vais venir ajouter une cuillère à café de sel. C'est une recette très simple, hein, très facile à faire. Donc une cuillère à café de sel. Je vais venir ajouter une cuillère à café de levure chimique. Donc une cuillère à café comme ça de levure chimique. Et donc je viens ajouter une cuillère à soupe de sucre. Donc ça nous fait 15 g de sucre. Je vais venir fermer le bol. Je vais passer sur la fonction malaxer et je vais venir ajouter l'eau au fur et à mesure. Alors pour la quantité d'eau, je me répète à chaque fois sur les vidéos de pâtes comme ça. La quantité d'eau dépend vraiment du type de semoule utilisé, du type de farine, du taux d'absorption. Donc moi je vais vous donner une échelle pour savoir où vous vous situez juste après. Sachant que là, donc moi j'ai mis 700 g d'eau. Donc je vais verser au fur et à mesure jusqu'à obtenir la bonne texture. Et je vous dirai à la fin combien exactement j'ai mis. Mais ne pas prendre ça au pied de la lettre et vraiment... adapter la quantité d'eau pour obtenir la texture de la pâte que je vais vous montrer juste après. En fait, il faut que la pâte elle soit vraiment bien souple, bien malléable, en fait un peu comme la pâte à msemen, en fait, tout simplement. Vous voyez la texture qu'a la pâte à msemen. Je vous mets le petit lien de la vidéo juste au dessus de la recette pour que vous puissiez voir également. Voilà, il faut que ça ait vraiment la même consistance. Donc j'ai assez parlé, on va passer au travail. Donc sur la fonction malaxer, je vais venir programmer 2 minutes. Voilà, super. Et je vais retirer le gobelet doseur. Si je peux y aller doucement, ce serait mieux. Je vais venir retirer le gobelet doseur et je vais verser l'eau au fur et à mesure. On a travaillé notre pâte. Du coup, vous voyez la texture qu'on doit avoir, elle a la limite d'être collante. Donc là, je vais venir la retravailler encore une petite minute et on va venir ensuite passer à la suite. Et voilà, donc là on est bon sur la texture de notre pâte. Alors je vais venir transvaser donc ma pâte dans un plat que je vais huiler et beurrer. En fait, dans ce bol j'ai un mélange de beurre et d'huile neutre, tout simplement. Alors, donc on se huile et on se beurre les mains, hein, pour faciliter le travail de la pâte. On vient. Donc, je vous montre, vous voyez la texture de la pâte, elle est vraiment très molle, très souple. Elle doit vraiment être très facile à travailler, vraiment exactement comme la pâte à msemen en fait.
Et donc, après avoir huilé mes mains, alors je viens former des petites boules de pâte. Elles font à peu près 70 grammes. Je vérifie, oui, entre 65 et 70 grammes. Donc avec la quantité que je vous ai donnée, ça fait à peu près une vingtaine de boules de pâte. Moi j'en ai 18. Donc après tout dépend du calibre que vous leur donnez. Donc là voilà, je viens juste les huiler un petit peu et les beurrer par le dessus pour ne pas qu'elles s'assèchent. Donc là on va les laisser se reposer. Donc je vais juste les couvrir d'un torchon. On va laisser se reposer et on va passer à la cuisson de notre farce. Alors, on va venir passer à la cuisson de notre farce. Donc là, je vais la faire moi au cookéo. Vous pouvez tout à fait la faire à la poêle sans aucun problème. Si vous avez un cookéo, faites-la au cookéo. Je la fais pas dans le robot, je la fais pas au MCC, MCS. Tout simplement parce que la farce a besoin de bien sécher en fait pour ne pas trouer notre pâte à la cuisson en fait. Donc il faut vraiment que toute l'humidité de nos légumes, etc. S'évapore. Donc du coup voilà, on a besoin de bien faire saisir et bien revenir. Donc c'est pour ça que je vais faire ça au cookéo. Et bien écoutez, je vous invite tout de suite à passer à la préparation de la farce. Alors pour commencer, donc pour le cookéo, je vais aller dans cuisson classique et je vais aller dans l'option dorée. Donc à la poêle, hein, c'est tout simplement pareil. Vous allez mettre vos oignons, vos légumes et vous faites saisir jusqu'à ce que le tout soit bien cuit. Alors on va commencer comme ça. Je vais venir mettre de l'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, je vous dis combien de cuillères. Je vais mettre 3 cuillères à soupe. Je viens ensuite mettre un oignon coupé, coupé et haché. Et donc là, je vais attendre que le préchauffage se termine. Donc une fois que ça a commencé à chauffer, je fais revenir les oignons. J'ajoute ensuite 2 poivrons. J'ajoute les herbes, donc moi elles sont congelées, persil et coriandre, donc là le temps que ça se décongèle. J'ajoute ensuite les carottes râpées au préalable. J'ajoute également des champignons. Je vais venir ajouter les olives. Je vais venir ajouter les épices. Pour les épices, j'ai mis une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de piment doux. Je vais venir ajouter
une cuillère à soupe de sauce soja salée. Hop là. J'ajoute également une cuillère à soupe de sauce soja sucrée. Donc, je vais rajouter une toute petite cuillère à café de piment, mais c'est facultatif. Et je viens mélanger le tout. Je vais rajouter, bon c'est selon les goûts, hein, mais moi je vais rajouter une cuillère à soupe de soja sucré. Je viens ajouter le vermicelle donc, que j'ai fait tremper dans de l'eau bouillante et que j'ai égoutté. Et pour finir, je viens ajouter le thon émietté. Hop là. Et donc voilà, notre farce est prête. Donc je vais venir la transvaser dans un récipient pour stopper la cuisson et on va la laisser refroidir. Donc là, on va venir travailler nos boules de pâte. Donc on va venir les étaler finement pour pouvoir ensuite venir les garnir. En parallèle, on vient préchauffer son four à 200 degrés, chaleur tournante. Donc je viens mettre ma farce au milieu, comme ceci. Donc je viens ajouter du fromage. Et je vais venir refermer mes petits rouleaux de cigares comme ceci. Et je vais venir les déposer sur ma plaque de four recouverte d'un papier sulfurisé. Et on recommence la même opération. Donc je retourne pour que ce soit plus facile à travailler, c'est plus simple comme ça. Donc je suis venue mettre deux jaunes d'œufs avec deux cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Et donc je vais venir faire dorer mes rouleaux. Et je viens mettre un peu de graines de sésame. Et des graines de pavot. Oh.
Et on vient enfourner le tout dans un four préchauffé à 200 degrés, chaleur tournante, pendant à peu près une quarantaine de minutes. Voilà, vérifiez bien la cuisson selon votre four. Il faut qu'ils aient bien cuit et bien doré. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram, La Cuisine by Oui, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.